Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, la petite histoire nous raconte la grande histoire. Ça se passe entre le 5 et le 22 juin 1940. Les Allemands avaient alors lancé la seconde invasion de la France. Ils avaient naturellement choisi d'attaquer le point le plus faible de la ligne Maginot, la trouée de la Sarre. C'est ainsi que le 14 juin, de violents combats se sont déroulés sur notre secteur. Philippe Cueillère, spécialiste de la ligne Maginot aquatique, nous raconte cette journée. Donc le 14 juin, quand les Allemands vont attaquer, ils vont mettre en œuvre des forces considérables, à savoir 90 000 hommes en première ligne, appuyés par une centaine d'avions d'attaque et de bombardement, et plus d'un millier de canons. Un millier de canons, c'était la plus forte concentration d'artillerie de la campagne de France de 1940. Face à eux, les défenseurs français, 20 000 hommes en première ligne, aucun avion dans le ciel ce jour-là et une centaine de canons pour les défendre, donc 10 fois moins. Les objectifs des Allemands au jour de la bataille, au soir de la bataille, va être de faire une brèche de 20 km de large sur 4 à 6 km de profond. Donc ça, c'était les objectifs que les Allemands s'étaient fixés. Au soir de la bataille, ben, ils seront très très loin d'avoir atteint leurs objectifs puisque partout ils sont au contact. À certains endroits, ils ont réussi à grignoter la position, donc notamment à Bidin, Barskapel. Ils réussissent également à s'infiltrer entre les temps de Ost-Haut et de Ost-Bas et à investir le bois du Kalmerich, mais à aucun endroit, ils ne parviennent à poursuivre plus loin leur offensive. Donc, clairement, pour les Allemands, c'est un échec ce jour-là, mais malheureusement, pour les Français, on ne peut pas considérer ça comme une victoire au sens militaire, puisque le soir même, ils auront l'ordre de se replier. Donc, les soldats auront combattu toute la journée pour s'entendre dire le soir, voilà, il faut vous replier. Et le bilan humain est particulièrement lourd ce jour-là. Les Allemands auront 1 200 morts pour 4 000 blessés et les soldats français 750 morts pour 1 800 blessés. Et quand je vous aurais dit que le 14 juin, les Allemands défilent dans Paris qui était déclarée ville ouverte, on peut vraiment se demander quelle est la raison de ce sacrifice où on a quand même au total près de 2 000 hommes qui sont morts alors que militairement, il n'y avait plus rien à prouver à ce moment-là.